Salut à tous, aujourd'hui je vous propose de découvrir ensemble le Fire TV Stick de chez Amazon. En fait c'est un petit module qui vous permettra d'accéder au service Prime Vidéo de chez Amazon. Donc, vous allez le connecter à votre écran, à votre télé, et depuis l'écran, grâce à cet outil, ben, vous allez pouvoir accéder à un certain nombre de choses, notamment, donc je disais tout à l'heure, le service Prime Vidéo de chez Amazon, mais également d'autres applications, aussi des jeux. Vous allez pouvoir jouer avec des jeux, donc on le voit ici, en fait, on a différentes applications. Donc ce que je vous propose dans un premier temps, on va simplement voir ce qu'il y a dans le carton, hein, si vous le souhaitez, et après, ce qu'on fera, c'est qu'on va le brancher à un écran télé, ce qui nous permettra justement de voir son fonctionnement, les différentes applications qu'on peut en faire. Donc rapidement, on va juste vérifier au niveau des specs, qu'est-ce qu'on a. Donc on a effectivement une connectivité, il peut être connecté soit en Wi-Fi, ce qui est assez intéressant, soit avec un réseau ben, Wi-Fi, hein, socialement de toute façon. Il propose en termes de service du 1080p en HD, ce qui est plutôt pas mal. Aussi, donc il est alimenté d'un quad core, donc un 4 coeurs. Donc effectivement, on peut dire que c'est quand même, pour ce que c'est quand même une petite bête de course, hein, quand même, hein, mine de rien. Et puis ben, derrière, on a un son Dolby Audio qui est plutôt de bonne qualité, a priori. Donc après, on verra effectivement comment tout ça fonctionne. Donc je vais rapidement ouvrir le carton. J'arrive à trouver simplement un cutter pour pouvoir ouvrir. Tac, alors je vais plutôt essayer de faire attention. Hop, voilà. Non, ça, je crois que c'est le bon. Hop, alors qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Voilà, ok, super. Tac, on va l'ouvrir comme ça. Et on a plusieurs choses qui apparaissent. Donc premièrement, je pense qu'ici on a les petits guides. Voilà, guide d'installation Amazon Fire TV Stick. Donc ça va être à mon avis la garantie. Ici j'aperçois un câble. Alors ça va être un câble USB, hein. Simplement de l'USB. Donc là on a un câble USB. On a, j'imagine qu'ici on va avoir l'alimentation. Alors, il y a des piles, c'est rigolo. Alors, hop, il ressemble à ça. Alors, ça, c'est la télécommande. Et le Fire TV Stick, il est plutôt comme ça, en fait. Alors, je vais enlever le carton, ça, parce que j'imagine que là, on voit pas très bien. Je vais simplement récupérer donc l'alimentation. Effectivement, donc le chargeur avec son câble. Pour pouvoir alimenter le Fire TV Stick. Et ensuite, à l'intérieur. Donc ici, voilà, on a le petit bijou qu'on va connecter en HDMI, bien évidemment, pour pouvoir bénéficier aussi de notre 1080p, qu'on va connecter à notre écran, voilà, tout simplement. Donc ça va être la télécommande pour pouvoir sélectionner les programmes, pouvoir lancer un film. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors ça, qu'est-ce que c'est? C'est un convertisseur, j'imagine. Alors non, c'est pas un convertisseur, c'est simplement une extension de HDMI, parce qu'effectivement, ça va être compliqué en fonction de comment est fait votre télé, comment vous l'avez positionné. J'imagine que ça rentre pas systématiquement comme ça. Donc ils proposent effectivement, c'est pas bête, une extension. Donc ici, hop, si je le connecte, je vais pouvoir ici aller connecter mon produit directement à mon écran. Et donc, bien évidemment, je vais l'alimenter parce que, donc, a priori, je suppose qu'il n'est pas auto-alimenté. C'est pour ça qu'effectivement, il propose ce câble avec le chargeur, justement, pour pouvoir alimenter le produit. Voilà, donc on a fait le tour, hein, je pense, hein, parce qu'il n'y a pas grand-chose, hein, en résumé. Donc, il y a le Fire Stick, la télécommande, l'alimentation et ben, les cartons, on peut s'en débarrasser. Ah non, il y a des piles. Alors, bonne question, effectivement, j'oublie les piles, c'est à mon avis pour notre télécommande, donc on va tout
tout de suite connecter, enfin, mettre les piles. Tac, tac, tac. Alors, comment ça marche? Ah, bah alors là, il va falloir faire attention parce que ça sort pas aussi facilement. Ah, voilà, ça y est. Donc, on a nos piles. Alors, c'est des piles Amazon. Waouh! Ils sont forts quand même chez Amazon. Donc, voilà, on va mettre les piles. Tac. Et donc là, on a les piles, on a notre Fire Stick, notre télécommande, notre alimentation, tout ce qui est guide et garantie, bon, on va le conserver. Donc on est paré, on va brancher ça à un écran et puis on va voir comment tout ça fonctionne. Je vous dis à tout de suite.